Bon, je viens de finir le taf. Bon, ça s'est bien passé. Petite journée, il n'y avait pas trop de clients. Donc moi, ça me va, il n'y a pas trop de clients. Parce que ça veut dire que je bosse pas trop non plus. Donc que je me foule pas. Je me suis fait attraper un moment. Parce que je suis au téléphone. Parce que j'ai reçu un appel pour un taf. Enfin, un nouveau taf. Et en gros, c'est un taf que je bosse quand je veux. Et en plus, c'est photographe, let's go. Donc, du coup, photographe, ça va me mettre bien. J'espère qu'on entend bien avec le scooter. Je vais essayer de parler un peu fort pour qu'on entende bien et de lâcher l'accélérateur de temps en temps. Voilà, ça va mettre bien. Du coup, bah là, je rentre du taf. Je vais jouer à la F1. Tiens, d'ailleurs, par rapport au vlog d'hier, j'ai retrouvé ma carte d'identité. En fait, elle était au fond de mon sac. Et ouais. Donc voilà. Donc là, je rentre. Je vais jouer à la F1. Et puis tout va bien se passer, quoi. On est content. Je vais répondre du coup à la meuf pour mon nouveau taf. En gros, c'est photographe. C'est-à-dire, je bosse quand je veux. En mode auto-entrepreneur et tout. Du coup, après, je fais des factures. Et en mode, je suis payé à la photo. C'est-à-dire, en gros, s'il y a quelqu'un qui achète ma photo, bah, je vais te payer. Donc voilà. Genre, sur une photo, je vais toucher 80% du prix de vente. Du coup, si elle est vendue, genre, à 20 euros, je sais pas, je vais toucher genre 16. Donc voilà, ça va faire complément de salaire. Et du coup, comme je bosse quand je veux, en soi, je peux augmenter mes horaires au bar. Ça pose pas non plus de problème. J'ai pas de minimum à faire et tout. Donc c'est trop bien. Parce que ça va améliorer mon portfolio et tout. Donc non, c'est lourd. C'est lourd. Toc. Bon. À part ça, quoi d'autre? Ouais, bah écoutez, pas grand chose. Hein. Ça va être un petite vidéo là. Je vais mettre un petit timelapse en mode quand je joue. Je pense que je vais lancer un stream en même temps que je joue. Je vais me faire un petit grand prix. On va commencer en mode carrière et voilà. Ouais, pas grand chose à dire. Si un coup de gueule à passer. Les emplacements scooter maintenant c'est payant à Paris. Donc nique ta grand-mère Hidalgo. On va pas payer. Voilà. Donc comme je vais en scooter au travail, et bah je suis baisé ma grand-mère, c'est bon. Donc on va faire en sorte de pas payer. On va essayer de pas se faire pincer. La technique, c'est que je garde mon scoot à côté d'un scooter qui est cassé. Comme ça, ils vont se dire, ah ouais, bizarre l'ambiance, machin. Vas-y, on va rester derrière, comme ça ne fait pas trop de bruit de moteur. Là, on a un petit parc à côté, je sais pas si vous voyez. Sur la caméra, attends, je tourne le volant. Non, on ne bougerait pas. On est sa mère en face. Eh, c'est fou comment avoir une voiture à Paris, ça pue sa grand-mère. C'est bon. Genre là, un petit vélo, tu es obligé de pédaler, c'est chiant. Après, il y a les vélos électriques, mais vas-y, c'est un peu cher. Et après, tu as le scooter, ça consomme pas énormément d'essence. Tu bruges tout le monde, tu t'en bats les couilles du code de la route. Non, on s'en bat pas trop les couilles, mais un peu quand même. Non, vraiment, c'est lourd. Oh, attends, je suis bloqué là. Oh, vas-y, c'est bon, on attend. Donc voilà, ils nous font chier à mettre des passages piétons partout, des passages vélos là, ça nous casse les couilles. Bref, je vais arrêter de parler pour rien, on va se retrouver sur la F1 et au pire on se dit à demain. Salut les gars, à toutes. N'oubliez pas de vous abonner et voilà.